Normalement on a envoyé. Ça fait longtemps que j'avais pas mis la cam. Ah bah ça par contre vous risquez de m'entendre tousser. Hein. Vous risquez de m'entendre tousser. Sachez-le. Alors je vais lancer Oblivion. Ah, je fais ça à ce que vous entendez mieux quand même. Oui, aujourd'hui, on... Bah, c'est... Bonne année! Nous sommes le 1er janvier. Et j'avais envie de faire un petit live. D'après-fête. Puisque, bah, je suis... Tout seul chez moi. Voilà, j'ai pas les enfants. Ma femme travaille. Bref. Sauvegarde auto. C'est pas celle où on est dans la merde. On verra. Parce que du coup, j'ai un mauvais souvenir. D'ailleurs, le jeu avait buggé. Souvenez-vous. Non? Ça n'avait pas ça. Rappelez-vous, la dernière fois, c'était la merde parce qu'on doit se nourrir. Parce que là, je crois qu'on est vampire niveau 2. Du coup, ça commence à piquer hein, quand on va au soleil là. Laissez-moi vous dire que ça pique. Donc là, je dois réussir à me nourrir. Bonne année, mon petit Zarki! Comment ça va? Réveillon, bah écoute, franchement, c'est réveillon de vieux. Donc en fait, on était assis comme ça et on était en train de discuter. C'est tout. Comme j'ai dit, bah, le truc c'est que c'est vraiment un petit réveillon parce que bah, à la base on avait même pas forcément prévu qu'il y aurait, Comment allez-vous? on n'avait pas forcément prévu qu'il y aurait qu'on ferait quelque chose quoi. Donc, bon. Mais bon, c'est quand même bien amusé. On était tranquille, on a bien mangé, on a récupéré un peu les rebuts de la société qui faisaient nou Nouvel An nulle part ailleurs. C'est un peu ça finalement ce qui s'est passé. Allez, faut que je me nourrisse. Raclette ce soir. Oh putain, me parle pas de bouffe par contre. Oh, oh non! Quoi, quelle violence? Je vous salue. J'ai été repéré, ouais. Si je vais dehors, je suis baisé, c'est ça? Putain. Je vais jamais réussir à me nourrir, hein. C'est fini hors la C'est loi. Vous fini, êtes hors la exterminé. loi! Alors... Je suis pas un hors la loi, je suis juste un vampire! J'essaie juste de vivre! Vous devriez aller voir un guérisseur. Vous avez le teint pâle. Merci, connard. Mais du coup, ouais, c'était sympa. C'était le petit réveillon tranquille entre nous. Avec beaucoup trop de choses à manger pour 6 personnes. Des cadeaux de Noël, en veux-tu, en voilà. Bon, moi je suis maudit parce que bah, mes cadeaux de Noël se perdent tous. Donc, j'ai pas de bol. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, je me suis commandé. Putain, il est creepy lui à venir regarder les gens dormir. Je veux dire, moi je suis là parce que je dois me nourrir en tant que vampire, mais lui c'est juste pour les regarder, quoi. Bonjour. Oui, bonjour. Par contre, ouais, j'ai commandé le 28, 29. J'ai commandé du coup sur un site mes figurines. Ils étaient en mode, bah, ouais, mais de toute façon on les a plus. Donc j'étais, bon bah c'est pas grave, je les commande maintenant. Si je les ai dans 2 mois, bah voilà, tant pis. Au moins je les ai commandés. Mais apparemment, je les reçois lundi. Genre, même Chronopost, il m'a envoyé un message en disant non, mais t'inquiète. Tranquille. Tranquille, tu les reçois lundi. Ah, enfin, j'ai sucé un peu. Bon. Maintenant que j'ai réussi à me soigner. Ouais, mais c'est en ville.
Putain, c'est chiant. Un contrat en ville au magasin de Norbert Lels, marchand de qualité. Est-ce que je suis en ville déjà? Je sais même plus. Oui. Ah oui, et je dois sûrement y aller 2 jours. Du coup, comme ça faisait mal le. Comme le soleil me faisait mal, c'est peut-être pour ça que je voulais me nourrir. Oui, bah des bonnes nouvelles, bah écoute. Oui. Bah, si pas de mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles. Moi, mes fêtes de fin d'année, elles se sont très bien passées. Hein, donc, Mes fêtes de fin d'année se sont très très bien passées. Bon. C'est juste qu'à la base, on devait pas faire nouvel an, quoi, c'est tout. C'est là? Ah, je peux déjà rentrer. Salutations. Bienvenue à l'aile, marchandises de qualité. Nous avons toute une série de produits qui ne manqueront pas de vous convaincre. Bordel. Oh, et peut-être avez-vous vu le panneau dehors. Petite erreur, vous savez. Pas de chance sur ce coup-là. Que puis-je faire pour vous? Chien. J'ai perdu beaucoup de marchandises ces derniers mois. Je vais pas arrêter de tousser. Je les remplace au fur et à mesure, mais ils reviennent me les voler. Maudite soit ces nouvelles serrures. Ils viennent toujours la nuit, quand je suis couché. Peut-être qu'un mage les transporte à l'intérieur. Vous ne pouvez rester qu'une nuit dans la boutique. Bonne chance. Je vais attendre Bolf. Ok. Bah, j'ai même pas le temps de. Je suis Norbert. Comme je l'ai dit, j'ai besoin de. Ça n'arrive que la nuit. Vous aussi. J'ai pas eu le temps de lire ce que son pépère voulait. Hein. Mais bon. Ouais, quelqu'un fasse le guet dans le soir, dans le magasin ce soir. Bah oui. Mais ouais, c'était sympa. Les enfants ont eu énormément de cadeaux, comme d'habitude. Hein. Ils sont pourri gâtés. J'ai pu voir pas mal de membres de ma famille. Donc ça, c'est sympa. J'ai eu des good news. J'ai ma nouvelle chaise gaming qui n'est pas cassée. Et puis bah. Et puis bah une bonne petite rentrée. Une bonne petite rentrée d'argent qui me garantit que bah. Au moins. En début d'année prochaine. J'ai le budget pour me payer ce que je voulais, donc au moins c'est plutôt cool. Parce qu'à la base, il y avait un problème, c'est que j'étais pas sûr à 100% de pouvoir avoir le budget pour acheter et les figurines, et l'équipe de Blood Bowl, et le matos pour Blood Bowl, et les nouvelles sorties de jeu, et le nouveau matos, et il y a l'assurance de la voiture, et enfin bref, ça arrêtait pas de s'accumuler. C'était ultra relou. On est d'accord que j'ai entendu une porte là. J'ai pas entendu une porte. Chelou.
vent, sans doute. What? C'est quoi ces trucs? Gourou, je me fais attaquer par des mecs là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me fais attaquer par des mecs? Je sais pas pourquoi je me suis fait attaquer par des mecs. Salut à toi, Kocha. Kocha Chiyi? Chachi. Va dans le magasin. Bah j'y suis, non? Je sais pas pourquoi les mecs ils m'ont attaqué. Sûrement les voleurs. Ah ouais? Les voleurs? Putain, ils sont vachement bien équipés, les voleurs. C'était eux? Ah bah merde. Que puis-je pour vous? Bon, lui il s'en fout, hein. Vous croyez que en sortant j'ai fait bugger entre guillemets la quête? Genre en fait les mecs c'était vraiment eux qui devaient venir dans la boutique et en fait ils ont été tout de suite agressifs envers moi parce que normalement on se bagarre j'imagine. Et du coup, bah là, parce qu'il y en a un qui est devenu invisible. Hein. Ouais, parce que tout va bien. Hein. C'est chelou. Bah, j'ai gagné une épée. Bah, je crois qu'on est plus la nuit, hein. Ah voilà, on est le jour. Je sais pas si... Je suis Mirabel Monet. Je dirige le... Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est le gérant de la boutique marchandises de qualité de lait. Je suis prête à enseigner si vous êtes prêt à apprendre. Alors ok, mais... Vous avez beaucoup à... Pour... Si vous êtes attentif... Qu'est-ce que tu fous là? La connaissance. Quoi qu'on entreprenne. Soyez prudent aux alentours du poste d'équipe. J'ignore si c'est vrai. Bonjour. Je suis arrivé de nuit, donc tu penses que c'est pas bon? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à moi. Ah, j'ai foutu en l'air la quête, quoi. Oh, merde. Que puis-je pour vous? Une bande de voleuses opère à Unville en appliquant une... Si ah, vous voulez nous aider homme, à faire quelque chose à ce sujet... Je m'en fous. Comme je l'ai dit, j'ai besoin... Prenez soin... Je sais pas pourquoi... Bon. Comment allez-vous? Parce qu'elle, elle est blessée de ouf. Comment allez-vous? Donc elle s'est sûrement battue et je crois que c'est elle qui s'est battue avec des mecs. Je crois que... Parce qu'il y avait un troisième mec qui est parti, qui a fui.
Il y a un garde qui m'a aidé. Mais il y a aussi une autre personne et je crois que c'était elle. Et je sais pas où il est le garde. Enfin, je sais pas où il est passé le mec. Ah, j'ai tout cassé le jeu. Bon. Attendons. Ben voilà. Ils sont quand même vachement bien équipés les cochons. On dirait des tales morts. Bon, j'avais cassé la quête, je crois. J'avais cassé la quête. Vous savez manier la masse. Oh, la masse. Avez-vous pu régler mon problème ? Oui. Vous les avez ? Merveilleux. Mais leurs noms me sont familiers. Tous ces hommes ont travaillé ici. Stupéfiant. Je leur faisais même confiance pour l'ouverture du magasin le matin. Je ne peux pas imaginer ce qui les a conduits à une vie de criminel. Quelle tristesse. J'avais cassé votre la paiement. Quête. Écoute. Bonne journée. 400 d'or ajoutés, monsieur. Salutations. Salutations. Est-ce que je dois retourner à la guilde des aventuriers ? Ouais, sûrement. Vous savez manier la masse. Et si je faisais la quête principale ? Ou je soigne mon vampirisme, au pire. Je sais pas. Allons à Gvat. En fait, le problème, c'est que la dernière fois, j'avais l'impression que je me faisais défoncer la tête. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Je ne suis pas sûr. J'ai appris que vous aviez aidé la garde à repousser les dédras. Bien joué. Ouais. Allez, l'empereur va maintenant te trouver. Est mort. Qui êtes-vous? Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes Martin, le prêtre. Oui, ouais. Je suis prêtre. En cherchez-vous. Parce que lui, du coup, c'est l'héritier, c'est dans ça? Dans ce cas, je suis désolé, mais je Parce ne pense je... pas être en mesure de vous la aider. La quête principale, je pense pas que je suis allé plus loin. Je ne comprends pas très bien à quoi jouent les dieux ces temps-ci. Si tout ceci fait partie d'une stratégie, Grudu. J'ai pas trop envie d'y être mêlé. Grudu, pas comprendre l'histoire. Il y a un plan, on en fait partie. Quelle stratégie? De quoi est-ce que vous parlez? Je sais pas. J'ai prié Akatosh tout au long de cette terrible nuit. Mais c'est qui, Akatosh? Nous avons juste vu arriver de nouveaux Dédras. Qu'est-ce que vous c'est pourriez quoi, avoir à me dire qui m'aiderait à comprendre tout ceci? C'est le dieu dragon, non? C'est le dieu impérial, lui, non? C'est ça? Bon, vous êtes le fils de... L'empereur Uriel Septime? Vous pensez que l'empereur est mon père? Non. Vous vous adressez à la mauvaise personne. Je suis un prêtre d'Akatosh. Mon père était fermier. Le Dédra est venu ici pour vous. L'empereur savait que vous étiez... Je vais dire ça. Vas-y, une ville entière détruite pour me trouver? Pourquoi? Parce que je suis le fils de l'empereur? Akatosh est le dieu dragon du temps. Ouais, ça me dit quelque chose, Akatosh. Pourquoi je te sais pas. Ce qui est bizarre, c'est... Mais c'est un dieu impérial, lui, non? Vous dites la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu. Qu'est-ce que vous me voulez? Venez avec moi au prieuré de Wayne. On dit que vous avez détruit la porte d'Oblivion. Vous leur avez rendu espoir. Vous les avez aidés à repousser les Dédras. Oui, je vais vous accompagner jusqu'au prieuré de Wenon, et j'entendrai moi-même ce que ce Joffre a à raconter. Passez devant. Yes. C'est loin.
Oui, c'est loin, hein. Faut retourner. Non? Oh, c'est pas si loin que ça. Et on y va à pied. Dans toutes les cultures à Katosh. D'accord. Oui, parce que rappelez-vous que moi, Elder Scroll, je suis un peu un inculte. Hein. J'aime bien les jeux, mais après. Elle est où Martin? Oh, il nous casse les bonbons, les Martin. Hein. Bon, il va se TP, je pense. Il est pas bloqué quand même. Ah, ça serait pas plus safe de faire un voyage rapide parce que je sais pas s'il peut mourir. Bon, tu sais quoi, on va faire ça parce que je le sens mal. Oh, excusez-moi. Oh bordel! À l'aide, aidez-moi! Ils sont en train de tuer tout le monde au prieuré de Wynon! Excusez-moi, j'ai failli lui taper dessus parce que c'était un elfe noir. Le racisme est tellement intégré en moi, apparemment. Je ne sais pas. J'étais dans la berge. Oui, oui. Oui, Geoffrey, est-il en sûreté? Pour le seigneur d'Agol. Voilà, je vais essayer de te protéger déjà. Wouah! Il y a un moine avec un katana et tout. Là, le mec, il sort... Il sort le katana. Je me doutais que vous allez dire ça, c'est pour ça que j'ai pris mon katana. Mon katana. C'est tout? Est-ce tout ce que vous avez, Saruman? Par le sang des dieux, ils sont apparus de nulle part. Avez-vous vu le grand maître Geoffre? Je viens d'arriver, mec. Je sais pas où il est. Allons jeter un coup d'œil. Non, le prieur Malbo. What the fuck? Ouah, le moine, il s'est mis bien, quoi. Le gars, c'est un archidiacre ou quoi? Le gars, il avait 151 pièces d'or et un anneau en or. Genre, ça va, quoi. À l'église, ça rapporte, hein. Vous arrivez juste à temps. Oh, le bâtard! On est fait pour le combat. Oh putain, comment on saute. Oh. Vous revoilà. Talos soit loué. Et Talos, c'est qui? Ils ont attaqué sans prévenir. J'étais en train de prier dans c'est la chapelle. C'est lui le dieu impérial, quand j'ai Talos. Entendu le prieur Maborel crier. J'ai juste eu le temps de trouver une arme. L'amulette des rois. Je me doutais quelle était la cause de cette attaque. Je la gardais dans une salle secrète de la maison de Wynon. Nous devons vérifier s'il est en sécurité. C'est pas Talos le dieu qui est entre guillemets humain et c'est la bonté tout ça, lui? Nous irons ensemble, mais je crains le pire. En fait, le lore de Elder Scroll, ça a l'air intéressant, mais... J'ai été béni. Je crains que l'ennemi ne soit venu ici que pour l'amulette des rois. Bah écoute, moi, je me suis fait une galette des rois. Quelles sont les nouvelles? Et C'est vous? Salut. C'est vous? Salut. Ils l'ont prise. L'amulette des rois a disparu. L'ennemi nous a battus à tous les niveaux. Ah merde. Ainsi, bon, tout n'est pas perdu. Talos soit loué. Nous avons perdu l'amulette des rois, mais gagné l'héritier d'Uriel. Martin ne peut pas rester ici. Nous les avons repoussés, mais ils reviendront dès qu'ils apprendront que Martin a survécu. C'est certain. Ok. Aucun endroit n'est vraiment sûr quand on sait la puissance démesurée qui se déchaîne contre nous. Mais nous devons essayer de gagner du temps, au moins. Le temple du maître des nuages, je pense. La forteresse cachée des lames, dans les montagnes, près de Bruma. Oh. Quelques hommes suffisent pour la défendre contre une armée. Nous devons partir sans tarder. Allons au gouffre de Helm. Très bien.
Tiburus. Feu de dragon. Le couronnement de chaque nouvel empereur est finalisé lorsqu'il utilise l'amulette des rois pour allumer les feux de dragon dans le temple de l'unique. Les feux de dragon d'Akatosh restent allumés jusqu'à la mort de l'empereur. C'est son successeur qui les rallume lorsqu'il monte sur le trône. Ah, d'accord. Puisque l'empereur Uriel est mort et qu'aucun successeur n'a été couronné, le temple de l'unique sera sans lumière pour la première fois depuis des siècles. Ok, c'est stylé comme truc. Alors Talos est le dieu des hommes, le premier empereur, ouais, ça me dit quelque chose. Enfant de dragon, ouais. Mais c'est pour ça qu'on entend parler un petit peu dans Skyrim. En vrai, le plus gros Elder Scroll que j'ai joué, finalement, c'est Skyrim. Quoi. C'est pour ça que je suis pas très bon niveau lore. Quoi. Et l'humain qui a réussi à devenir un dieu. Ah, voilà, c'est un humain qui est devenu dieu. Bon. C'est pas du tout copié sur Warhammer. Conseil des anciens. Les lames ne sont pas affiliées au gouvernement, uniquement à l'empereur. Mais Bjorn Dragon. Le prince des draps de la destruction. Ça me dit quelque chose à cause de Benzaï. Avec sa blague à la con. Il était impliqué dans le complot de Jagar Tarn contre l'Empire il y a plusieurs années. Je ne suis pas étonné de le voir impliqué dans ce désastre. Ok. Le temple du maître des nuages a été construit il y a très longtemps par les fondateurs des lames, du temps de Rayman Cyrodiil. Cyrodiil, ça me dit quelque chose, mais en tant que région. Près de Bruma. C'est notre ancienne forteresse, notre sanctuaire. Ok, bon, allons là-bas. J'ai compris. Nous devons nous dépêcher. Je ne serai pas tranquille tant que Martin ne sera pas en sécurité. Ouais. Que puis-je pour vous ? Donc il faut aller près de Bruma, il a dit. Bruma. Ah oui, Cyrodiil. Ville, Gvatch, mais Bruma, c'est. Ah, c'est là. Au nord. C'était le coron. Pourquoi j'ai pas un truc de quête? Ah, bah voilà. Allons-y, let's go. C'est parti, les. Pourquoi ils me suivent pas? Faut peut-être que je lui dise à Martin qu'on s'en va, non? Ferpine. Ferpiné. Pardon. Oh. Mais il est où ce con? Oh le con! Mais quelle bande de connards! Ils sont partis sans moi! Ah bah! What? Bon bah ok. Moi vous voulez jouer à ça, y a pas de problème, hein, je fais ça. Voilà, je vais au temple du maître des nuages et vas-y. Pourquoi les PNJ ne me suivent pas? Ah, excusez-moi, mais ils avaient des chevaux, eux. Moi j'en ai acheté un, y a un garde qui est arrivé qui a fait « C'est fini, vermine !» Et j'ai jamais retrouvé mon cheval. Ouais, heureusement qu'on avait dit qu'on se suivait. Hein. Et merde. Bande de cons. Talos alia Tiber Septime n'est pas reconnu chez les elfes. Ouais. Ils admettent son statut de cieux car ça. Grand maître. Est-ce... Oui, Cyrus. Oui, bah. Le fils de l'empereur, Martin Septime. Seigneur, bienvenue au temple du maître des nuages. Nous n'avons pas eu l'honneur de recevoir l'empereur. Il était bon, mon cheval. Bah écoute, en tant qu'orc, apparemment, ça arrive souvent. Merci. Tout l'honneur est pour moi. Venez. Ça arrive souvent qu'on les monte pas et qu'on s'en sert pour autre chose. Hein. Et je l'ai payé 2500 boules, hein, ce con. Là, c'est stylé quand même, votre forteresse. Waouh. Vas-y, je fais l'aide d'honneur.
Non. 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 Oh, il est perdu, là. Il est perdu, Bibou, là. L'empereur et ses fils ont été assassinés pendant notre temps. L'empire a été plongé dans le chaos. Mais ne perdons pas. Quel enfoiré qu'il a réussi à se mettre quand même. Il m'a poussé. Martin Septim, fils légitime d'Uriel Septim. Je le mets tout, moi. Bonjour. Quoi, bonjour? Les lames sont à vos ordres. Bonjour. Jusqu'à votre accession au trône. Gloire à Tibère Septime. Bonjour. Gloire. Gloire à l'empereur. Bonjour. Que je sois votre empereur. Je ferai de mon mieux. Ok. Mais tout ceci est nouveau pour moi. Je n'ai pas l'habitude des discours. Je suis reconnaissant de m'avoir si bien accueilli parmi vous. J'espère en même temps, tu es le futur empereur. Je saurai me montrer digne de la. Et ils sont censés être à ton service. Voilà. Merci. Souviens-toi que le dernier empereur, il est mort parce que les lames n'ont pas réussi à le protéger. Hein. Les lames, j'ai l'impression que c'est le paix mouillé. Vous n'êtes pas du genre bavard, hein. Ça n'a pas eu l'air de les déranger. C'est un peu le pétard mouillé de Elder Scrolls. Et m'acclame en m'appelant Martin Septim. Ne me prenez pas pour un ingrat. Je sais que sans votre aide, je ne serai plus en vie à l'heure qu'il est. Merci. Que ce soit dans Skyrim, et où ils sont là, deux, tu sais. Tout le monde là, ils sont de six. Moi que je sache exactement ce qu'il faut faire. Ils échouent à la protection de l'empereur. Ils veulent tous un empereur qui va leur dire quoi faire. Je veux dire, je n'en ai pas la moindre idée. En vrai, les lames, c'est une arnaque. Enfin, je veux dire. Bon, j'imagine qu'ils ont un lore et que, en fait, les machins à Kaviri et toutes les conneries, là, j'imagine qu'à un moment, ils étaient stylés, tu vois. Mais la vérité, c'est que les lames, dans tous les Elder Scrolls, on est d'accord qu'ils puent la merde. Bien entendu. Les lames, ils étaient bons avant. Et puis, plus d'argent. Ben, alors, je peux la porter au temple de l'Unique ouais, et allumer les c'est feux peu, de c'est un peu ça, hein, c'est un peu ce que je ressens. Et l'invasion en provenance d'Oblivion. Et vous deviendrez empereur. Empereur. Il va falloir que je m'y habitue. De toute façon, il faut d'abord récupérer l'amulette. Joffre saura peut-être par où commencer. Donc c'est ça, c'est en fait, les lames, elles étaient fortes avant, puis après, puis la merde. Tous ceux qui pratiquent la magie d'Edric connaissent la barrière quasiment impénétrable qui sépare notre monde d'Oblivion. Ce que l'empereur vous a dit signifie que l'amulette est la clé de la défense de cette barrière. Mmh. Ce que j'ai vu à Kvatch. D'après tout ce que je sais au sujet de la magie d'Edric, des portes aussi stables sont impossibles. Et pourtant, ces portes d'Oblivion existent bel et bien. Les vieilles règles ne s'appliquent plus. Kvatch n'est que le commencement de ce que Merun Dagon a prévu de faire. Si l'amulette est vraiment la clé de la restauration des barrières séparant notre monde d'Oblivion, vous ne devez pas perdre de temps pour la récupérer. Ok. Quelque chose a provoqué l'ouverture de ces portails vers Oblivion. Joffre croit que la mort de l'Empereur et l'extinction des feux de dragon sont la clé du mystère. Je n'ai pas toujours été prêtre. Dans ma jeunesse, j'ai suivi une voie différente. J'en sais plus que je voudrais sur le pouvoir irrésistible de la magie d'Edric. Cela devrait vous suffire. Oh. Ne vous en faites pas pour moi, mon ami. Je sais que je suis entre de bonnes mains ici. Alors, 100%, je vais revenir. Tout le monde se sera fait tuer, massacrer et tout ce que tu veux. Vous avez fait preuve de vos qualités de loyal serviteur de l'Empire. Et vous vous êtes montré aussi digne que toute autre lame de vous tenir aux côtés de Martin pendant cette crise. En tant que grand maître des lames, je serai honoré de vous accepter dans notre ordre. C'est quoi mes devoirs en tant que lame? Les lames ont juré de servir l'empereur, en qualité de représentant mortel du sang de dragon du divin Talos. Non, merci. Très bien. Nombreux sont ceux qui servent... J'en ai rien à foutre. Vous avez raison. Nous devons tenter de retrouver l'amulette avant que l'ennemi nous la prenne. Vous devriez retourner à la cité impériale. Borus a peut-être appris des choses au sujet des assassins. Vous trouverez Borus à la pension de Luther Broad. Dans le quartier des jardins elfiques de la cité impériale. Ok. L'amulette des rois, lorsque nous l'aurons, Martin pour... Ouais. Parce que bon. Saluez Borus chaleureusement de ma part. Dites-lui de ne pas culpabiliser pour la mort de l'empereur. J'ai une tête. Est-ce que j'ai une tête de lame?
Hein? J'en ai un peu rien à branler de votre dieu humain. On va dire que... qu'on ait besoin de lui pour empêcher que Oblivion ou je sais pas quoi... Ok, je le conçois. Bah alors après... une tête à manger l'âme, mais une tête de l'âme. Bah j'avoue, je suis un putain d'orc vampire. Bon après le côté vampire, j'ai pas fait exprès. Oh un chevreuil! Oh ils sont dociles cette année. Mmh. Attends, d'où que je dois aller là? C'est d'où que faut la bagarre? Ah oui là-bas. En fait, autant je me TP quoi. Faudrait que je m'achète des potions de soins. C'est vous. Salut. Oui. Je cherche Boris. Je suis tout... Asseyez-vous. Ne dites rien. Faites ce que je vous dis. Ok. Vous connaissez Mandy? J'ai entendu dire qu'il était doué pour ouvrir les serrures. Écoutez, vous êtes vraiment petit, je monsieur. Je vais me lever dans une minute et sortir d'ici. Le type qui se trouve dans le coin derrière moi va me suivre. Suivez-le. D'accord, monsieur. C'est un chevreuil d'élevage, ça sent pas le danger. Bah, j'avoue. Quand vous voudrez. Bien, souvenez-vous. Attendez qu'il me suive. Je veux voir ce qu'il va faire. On va voir un petit peu. Au revoir. Ah, mais j'ai... Adieu. Comment on a l'air vachement plus grand quoi. Mais comment? J'allais dire comment on s'en va? Merde! Fouillez-le. Je vais surveiller les alentours. Si je... Ok. Bah... Il a un livre. Beau travail. Je suis content de vous voir, au fait. Vous avez l'air malade. Hein. Les assassins qui ont tué l'empereur faisaient partie d'un culte d'Edric appelé l'Aube Mythique. Il semblerait qu'ils vénèrent le seigneur d'Edra, Merune Dagon. Je traque leurs agents dans la cité impériale et ils ont dû s'en apercevoir. Ça me dit rien, Merune Dagon. Je connais Molag Bal, ce genre de choses. Mais alors, Merune Dagon, là. Ça me dit rien. Qu'y a-t-il? Ils l'ont pris à Joffre? La situation est pire que je ne pensais. Et j'ai trouvé. Grâce à Talos, il est vivant. Martin Septime, dites-vous. Nous le remettrons sur le trône. Toutes les lames ont fait le serment d'y parvenir. Très bien. Alors, quelle est notre prochaine action? Il y a une érudite à l'université Arcane. Elle s'appelle Tarmena. Elle est censée être experte dans le domaine des cultes d'Edric. Apportez-lui donc ce livre pour voir ce qu'elle en pense. Je vais suivre les pistes du réseau de l'Aube Mythique. Si vous apprenez quoi que ce soit, okay, vous pourrez me trouver chez Luther Broad. Donc Tarmena, sûrement dit, une argonienne. C'est un des cerveaux de l'université Arcane. Elle est censée savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les cultes d'Edric. Ok. J'espère que Tarmena vous apprendra quelque chose. Je fous ma merde. Ah, le truc d'Arcane. Ah, mais c'est là-bas. Toute la journée, moi je faisais que sauter. C'est vous. Oui, je suis le héros de Kvatch. Le héros de Kvatch. Alors, c'est le prince de la destruction, mais
du changement, de leur évolution. Ah bon ? De l'énergie, de l'ambition. Grand destructeur. Parfois un dieu de clan tribu. Ah bon ? Bah, c'est pas Molag Bal, ça ? Pas plus rien. Et celui du changement, là, c'est pas... C'est pas celui qui donne le Wabajack, là, je sais pas quoi. Comment il s'appelle, ce con ? Merde. Il est un peu fou. Dans Skyrim, je crois que t'as une quête avec un chien, avec lui. Et dans Oblivion... Je crois que tu dois aller dans un tableau. Ah, je sais plus son nom, ce con. Ouais. Je sais plus. Ça me dit quelque chose, là, mais... Qui a-t-il, citoyen ? Je sais que Molag Bal, c'est un dieu... Enfin, il apparaît sous les traits d'un orque, souvent. Il me semble qu'il y a des statues où tu le vois, t'es en mode... Il y avait des histoires de viol aussi, il est pas copain avec... Parce qu'il est le père des vampires, je crois, enfin, il y a un délire comme ça, quoi. Ah, Sheogorath, le dédroit de la folie, oui, voilà. J'avais oublié le nom de Sheogorath. Vous devez être la personne dont on m'a parlé. En quoi puis-je vous aider ? L'homme mythique. Vous en avez entendu parler ? L'un des cultes d'Edric les plus... On ne sait pas grand-chose à leur sujet. Ah bah, va falloir se manier le cul, là. Enseignements de Moran, qu'ils appellent le maître. Le maître. Personnage obscur, s'il en est. Le maître. Ah oui. Commentaire sur le Mysterium Xarces. Merveilleux. Vous vous intéressez particulièrement au culte d'Edric, si je comprends bien. Non, je m'en fous un peu, mais... Vous les avez trouvés. J'arrête de m'en mêler, c'est promis. Mission officielle et tout. J'ai l'habitude de travailler avec les lames. Ne vous inquiétez pas. N'en dites pas plus. En tout cas, il ne sera pas aisé de les trouver. J'ai un peu étudié les écrits de Mankar Kamoran moi-même, du moins ceux que j'ai pu trouver. Le texte indique clairement que les commentaires de Mankar Kamoran comportent 4 volumes, mais je n'ai jamais vu que les 2 premiers. Oh pitié, faut pas chercher des livres. Je pense que ces écrits contiennent des indices sur l'emplacement du sanctuaire secret de l'aube mythique qui mène à Merun Dagon. Ceux qui découvrent le passage secret se montrent dignes de rejoindre le culte de l'aube mythique. Le premier test consiste à trouver le sanctuaire. Si vous trouvez ces indices, il vous faut les 4 volumes des commentaires. Bon, ok. Molag Bal, le dédroit du viol et de l'esclavage. Généralement, il est aimé par personne. Voici déjà le tome 2. Qui figure dans la bibliothèque. Prenez-en soin, je vous en prie. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais vu le 3e ni le 4e tome. Pintias, le propriétaire. Ok, allons-y. C'était un réel plaisir de bavarder avec vous. C'est... Bah, je me souviens... En fait, je me souviens que dans Skyrim, t'avais la masse de Molag Bal avec la maison hantée. Je sais qu'il y a Umbra. Enfin, je crois que c'est Umbra le nom. Qui est une sorte de lame. Je crois que c'est un katana. Bonjour. Un katana des ténèbres. Le Wabajack, ouais, ça je connais. Il y a des artefacts d'Edric, quoi. Simplement. Après, le problème... Enfin, le problème. Je dis pas qu'Oblivion m'intéresse moins, mais... Bon.
c'est difficile. Difficile pour moi d'imaginer de faire beaucoup de quêtes dans Oblivion, quoi. Alors que dans Skyrim, ça va, je trouvais ça plus, plus cool. Putain, ils ont installé une discothèque en face de moi, là. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'Oblivion, c'est beaucoup de mines, c'est beaucoup de tunnels, tout ça. Enfin, des ruines, voilà, que tu peux aller, tout ça. Mais en vrai, des quêtes, faut que tu parles vraiment au PNJ. Et des fois, c'est un PNJ lambda qui va te dire, voilà, enfin, c'est... Je sais pas. Du coup, j'ai l'impression que ça essaye moins... J'ai l'impression qu'Oblivion essaye moins de... De te faire faire des quêtes secondaires. Là où faut quand même admettre que dans... Que dans Skyrim... T'étais quand même souvent amené à choper de la quête secondaire rapidement. Et puis surtout, le journal des quêtes, il est tellement chiant. Il est relou, quoi. Skyrim est quand même mieux à ce niveau-là, quoi. Bon, après, je vais pas trop me plaindre, parce que de ce que j'ai compris, Morrowind, c'est pire. Alors, la quête avec le chien en Skyrim, c'est vite qu'Avicus se prend le doigt du pouvoir de la conjuration des mendiants. Ah, d'accord. Je suis tout ouïe, citoyen. Bon. Attendons 7 heures. Ce qui est génial, c'est que je vais sûrement avoir faim en tant que vampire. Ça va être génial. Oh bah. Bizarre. Que puis-je pour vous ? En fait, j'ai plus envie. Parce que là, c'est pareil. Là, en vrai, la guilde des guerriers, enfin, je trouve les quêtes. Pas ouf, tu vois. Les quêtes, la quête de la guilde des guerriers, c'est les quêtes limites de base que t'as dans Skyrim. La guilde des magiciens, bah vu qu'il faut augmenter son mana, je pense qu'on est mal parti, hein, parce que c'est, ça va être chiant. Et à la limite, la guilde des voleurs et la guilde des assassins, ça va. Et après, c'est pareil, hein, la guilde des assassins, c'est pas des quêtes incroyables, hein. Vous devez parler des commentaires sur le Mysterium Xarxès de Mankar Camoran. Cette erreur est courante. Alors que il par se contre, présente en quatre volumes. Les deux premiers volumes j'ai sont plus rares, envie de faire la quête principale dans Oblivion. De temps en temps. Alors que dans Skyrim, le j'en avais rien à foutre. Sont impossibles à trouver. Vraiment. La quête principale de Skyrim, je m'en fous en fait. Enfin, vraiment, je sais pas, elle m'intéresse pas plus que ça. Je veux dire, je ressens pas spécialement le besoin d'aller tuer de... Je sais plus qui, comment il s'appelle. Alduin, ouais, Alduin. Il se trouve que j'ai un exemplaire du tome 3 à ma disposition, mais j'ai bien peur qu'il s'agisse d'une commande spéciale, déjà réglée par un guide des voleurs, c'est la meilleure guide du jeu, autres sont bof. Désolé. Guinas serait tellement bah, en vrai, ouais, hein, t'as un peu raison. Lorsqu'il viendra le récupérer. Je regrette, je ne peux pas vous aider. Parce que je me souviens vite fait de la guilde des voleurs. Mais Je crains de ne pouvoir vous le vendre, quel qu'en soit le prix. Il va faire chier. J'aimerais en avoir un. Je ne le connais pas personnellement. Mais il semblait très impatient de mettre la main sur le volume 3 des commentaires de Camoran. Il est venu de Valboisé. En fait, il est déjà en retard à son rendez-vous pour récupérer le livre. Vous pouvez l'attendre si vous... Ouais, je vais lui parler. Par exemple, c'est pareil, tu vois, la guilde des guerriers, la guilde des magiciens, dans Skyrim, t'étais vraiment dans le délire, il y avait vraiment un truc, tu vois. Alors que là, la guilde des guerriers, t'en as plus ou moins... t'as un bastion dans chaque ville, donc il y a moins cet effet... bah, la guilde des guerriers, elle est là. La guilde des sorciers, elle est là. C'est tel bâtiment. Y a... Ça perd un peu une identité... Et franchement, là, la guilde des guerriers, allez, va tuer. Tiens, va porter ces armes-là et va tuer des gobelins. Et va tuer des rats. Apparemment, il y a un problème de rats. En fait, non, il faut que t'as tué des pumas. Ouais. Enfin. Autant que j'aille faire une ruine, tu vas dedans.
Et puis tu vas tuer des mobs et tu vas gagner beaucoup plus que 400 pièces d'or, quoi, tu vois. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? L'histoire du crochetage. Bonjour. Le problème, c'est que si je vais dehors, je vais cramer. En fait, le problème de la quête principale de Skyrim, surtout, c'est que à partir du moment où on te demande d'aller dans la souricière pour aller chercher le vieux, retourner à la taverne, et gnagnagna, enfin. Je suis ici pour mon livre. Commentaire. Poursuivez, je vous prie. Vous m'avez suivi ? Laissez-moi tranquille, ce livre est à moi. Ah, je veux vous l'acheter. Il n'est pas à vendre. Parlez-moi du culte, alors. Les aubes mythiques ? Est-ce que... Je veux dire... J'ignore de quoi vous parlez. Je n'ai jamais entendu parler de la moindre secte. Fous ma gueule. Tu y es jusqu'aux cheveux ! Je vous demande pardon ? Vous prétendez m'enseigner les cultes d'Edric ? Sachez que je me suis rendu au sanctuaire de Sheogorath durant le festival de la démence. J'ai parlé à Hermeus Mora, à la lueur des pleines lunes. Quoi ? J'ai... Ils ont tué l'empereur, ouais. Imbécile. C'était l'aube mythique. Vous devez me croire. Je n'en savais absolument rien. Prête-moi le livre, j'aimerais te le rendre plus tard. Oh. Qu'il s'agissait d'un culte d'Edric. Les vues de Mankar Camoran sur mes runes d'Agon sont fascinantes, même révolutionnaires. Oh. Ok. En gros, tu le dis. Tu voulais juste lire Mein Kampf et tu veux pas le dire, quoi. C'est tout. D'accord, on a compris. C'est bon. Donne-moi le livre. Oui, bien sûr. Je ne veux pas que l'on croie que j'ai... Oui, oui. Tenez, le point est à vous. Ce que vous voulez en faire ne me regarde pas. Est-ce que t'as le quatrième ? Vous pouvez obtenir le tome 4 que des mains d'un membre de l'aube mythique. Oh merde. J'avais fixé rendez-vous avec le mécène, comme il s'appelle lui-même. Ah bah cool. Tenez, prenez cette note qu'il m'avait donnée. Elle vous dit où vous rendre. Je ne veux plus jamais avoir affaire à l'aube mythique. Oh bah dis donc, il est sorti très vite de la secte. Parfait ça. Bonjour. Ça brûle, 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 ça brûle. Comment allez-vous ? Pas bien, ça brûle. Coûte que coûte. Je suis désolé hein, que vous m'entendez tousser tout ça, mais bon. Alors, il y a de l'action quelque part ? Il m'a menacé avec un couteau. N'est pas facile de vous trouver. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Ils vont nous payer le meurtre de l'homme. Ça pourrait être la réponse. Il faut que nous mettions la main sur le quatrième livre. Allons-y. Les égouts passent en dessous de toute la cité impériale. Les lames ont l'occasion de s'en servir dans notre travail clandestin. Ok. Suivez-moi. Je sais comment accéder à la partie des égouts où nous devons rencontrer. À la base, je suis rentré parce que c'était une taverne. Et que, bah, en fait, je me suis dit, bah, je vais pouvoir manger des gens. Oh, le soleil! Oh. Heureusement qu'ils l'ont enlevé dans Skyrim, hein, les dégâts solaires, hein, ça a abusé. Je vous salue, bon citoyen. Oui. Que puis-je pour vous? Rien. Ah, des égouts. Ah. Oh merde, des rats. Oh putain, bien ouais. On a encore eu de la chance. J'ai le droit d'aller où je veux ou tu vas pas vouloir? Bon, bah, je crois que je suis obligé de le suivre. Hein. À moi!
Le crabe des vases. Restons ensemble. T'es mal à taille du rat. Oh, tu te butes. Tu te butes. Salut là, est à moi. Non. Je suis de votre côté. Bah ouais, mais tu te mets devant. Restons ensemble. Non mais... Garde-moi-en. Tu le dis si je t'emmerde, hein. Celui-là est à moi. Mais... Faut demander à Zotsu et faut demander à... à Yorson. Yorson, il a dit le 3. Je vais aller tuer le mec là-bas, là. Voilà. Oh! Là, j'avais besoin de ton aide, là, par contre. Enfoiré. Le Mark Dwemer. Donc ouais, faut demander à eux, mais à la base, Orson avait dit ouais, le 3. Après, Zotsu, tout ça, je sais pas. Sinon, moi, dans les faits, je suis dispo, hein, parce que cette semaine, je suis quasiment dispo tous les soirs et toutes les après-mêmes. Donc, parce que là, toutes les après-mêmes, quasiment, ma femme travaille. Déjà là, les enfants, je les récupère que lundi. Voilà quoi. À part peut-être la petite, parce que la petite elle aime pas dormir chez mamie. Mais bon. Ce que je veux dire c'est que techniquement je suis dispo quoi, parce que comme on joue au soir, la logique. La logique voudrait que, normalement, quoi qu'il arrive, je suis dispo. À part le vendredi, puisque le vendredi, comme d'habitude, je serai... Miam. Comme d'habitude, je serai à mon club de Warhammer, quoi. En fait, je cherche. Ah putain, c'est tout au. Oh, ok. Petite session réparation. Yeah. Ah, il a un bouclier, ce con. Attendez. Hadouken. Quoi? Je le loupe? Cette hitbox. Je n'ai plus assez de magie. Plou. T'as la semaine de vacances. R5 l'après. Bah ouais, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Par contre, fais gaffe parce qu'il faut mettre un. Normalement, il faut X-Game, je sais plus quoi là. Et bah, c'est plus d'actualité. Donc il faut. Il faut patcher ton jeu en téléchargeant le truc qui fait que. C'est dans les guides sur Steam en fait, enfin, sinon le jeu ne fonctionne pas. Oh, accroché. Et moi je l'ai fait, ça m'a pris 2 secondes et
Et effectivement, après, ça fonctionne, quoi. Alors, j'espère que le multijoueur fonctionne. Merde. Attention, Borus. Mais... Je connais la partie des aiguilles. Suivez-moi. Ça va, Borus? Juste une petite seconde. Lundi ou mardi ou les deux, ouais, pourquoi pas, ouais, let's go. Cuirasse d'orc. Oh, oui, je la répare. Normalement le multi fonctionne, tu dis ça d'une façon qui laisse présager que tu aurais testé. Ou que tu es peut-être devant le guide et que voilà. Après, normalement ouais, le jeu... Parce que le truc game je sais plus quoi là, apparemment c'est juste pour le faire fonctionner, le faire lancer, mais sinon normalement oui ça fonctionne. Après... J'examine les égouts. De très proche. De très très près. Faudrait vraiment que j'achète des potions de soins par contre, parce que on en a vraiment plus besoin dans... En fait dans Skyrim, vu que tu régènes la vie aussi, me semble, hein, dans Skyrim. Et du coup c'est super simple, alors que là tu régènes juste ton mana. Du coup dans Skyrim, en général, t'as pas tant besoin de ça que des potions, sauf face aux monstres vraiment qui tapent très fort. Mais dans Oblivion, ça marche pas pareil, hein. T'es mal à la taille du rat, quoi. En fait, je vais juste laisser mon arme sortie parce que Borus, il est trop énervé. Il me laisse pas tuer des gens, hein. Lundi 14h. Ouais, en espérant que mon chronopost, par contre, il arrive avant, quoi. Parce que sinon. Bon, après, tu me diras, normalement, je l'entendrai. Quand même. Merde. Mais merde. Depuis que je suis passé compagnon, je sais pas quoi, là, c'est quand même plus simple maintenant. Que tous les crochets ne tombent pas comme des cons. Porte pour égout immergé. Parce que normalement, lundi, je reçois mon équipe de Blood Bowl, mes figurines, tout ça. Et si je reçois mes figurines, je peux vous assurer qu'il y en a à l'assaut, ils vont faire le bon. Très bien. La salle avec la table se trouve juste derrière cette porte. Je me suis toujours demandé... Il ne manquera plus qu'une kill ring, mais bon, c'est... J'ai appris par hasard que c'est 100 euros la figurine, quoi, donc... Vous aurez une bonne vue sur la salle de réunion. Déjà que j'en ai acheté une. Je crois qu'il vaudrait mieux que je me charge de la réunion. Vous me servirez de renfort. Surveillez d'en haut en cas de problème. Je peux aller voir le mécène aussi, si tu veux. Bien. N'oubliez pas. Nous ne pouvons pas... Ok, quand Écoutez, vous voudrez. Je ne survivrai peut-être pas. Alors vous devez... Oh non, Borus. Il faut absolument que vous retrouviez le livre et l'amulette des rois. Ah bah oui, parce que c'est...
En fait, les nouvelles figurines. Là, mais bon, après, tu me diras. Ma dernière partie, j'ai largement dominé. Mais en fait, le truc, c'est que là, les orques, pour les jouer vraiment corps à corps, faut vraiment mes nouvelles figurines. Qui sont en fait des figurines pour transporter mes troupes au corps à corps. C'est juste que dans le codex orque, t'as une bande spécialisée qui font que bah, tu peux embarquer, bouger le transport, débarquer. Et ensuite bouger avec tes figurines, et quand ils sont en wag, avancer et charger. Donc en fait, tu peux faire une charge à l'autre bout de la table, et en fait, ça, les gens, ils s'y attendent pas. Et du coup, faut savoir bien placer si tu veux pas te faire détruire ton... Bah en fait, si tu veux pas te faire détruire, tout simplement. Et très sincèrement, bah, tant que tu t'es pas pris le truc une fois, et même si tu te l'es pris une fois, c'est super dur à contrer. Et du coup, bah, moi je suis content parce que c'est une manière enfin de jouer hors corps à corps. Parce qu'en ce moment, il y avait que les orques de tir flibustiers là, et c'était rude. Allez, rassure-toi, j'échoue jamais. Je vais essayer de le sauver. Faut que je reste en haut, faut que je fasse quoi? Faut que je sois en haut, on est d'accord. Hein. Bon, vous voulez devenir l'un des élus de Mérune Dagon. Le sentier de l'aube est difficile, mais grandes sont les récompenses. Oh merde! J'ai le livre que vous recherchez. Avec cet ouvrage et les trois autres tomes du maître, vous aurez la clé. Aurez-vous l'esprit et la force nécessaires pour utiliser la clé que vous aurez reçue? Il y a quelqu'un d'autre ici! Bon bah. Le paradis m'attend. Que les feux de démons brûlent longtemps! Désolé. Mission accomplie ou pas? Trois de plus qui ne retourneront jamais auprès de leur maître. Ça aurait pu se passer plus en douceur, mais je ne peux pas dire que ça m'a... Bah... Problème résolu? Je vous retrouverai au temple du maître. Chaussures, galons d'or, grand anneau, bouclier de foudre. Oh là là là. Tempête de feu. Mais c'est génial! Ça fait quoi? Parce que j'ai un anneau de base. Anneau base d'agilité. Ah, j'ai le bandeau noir aussi. En vrai, l'agilité, on s'en fout. Hein? Je peux pas changer d'arme pendant l'utilisation. Je me raconte. Du coup, j'ai un bouclier de foudre 10%. Ça veut dire que je suis protégé. Alors là, je veux bien que vous m'expliquiez. Ça veut dire que je suis protégé de 10% grâce à un bouclier de foudre. Ou que je suis protégé de la foudre à hauteur de 10%. Parce que moi, pour moi, c'est tu es protégé de la foudre de 10%. Bon, c'est... Je pense que c'est meilleur qu'une fortification d'agilité, mais bon. Pas non plus incroyable. C'est pas non plus incroyable. Oh lo 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 lo. Mais voilà. Oh putain, très difficile.
Oh putain, ta mère. Oh, vas-y. Des fois, ça passe tout seul, et des fois... Oh, là, là. Le crochetage en Oblivion, c'est infâme. Des fois, tu vas réussir super facilement et des fois... Le 3, on peut jouer, on peut tuer du rat. Bah, pourquoi pas l'après-midi du RE5 et puis le soir du Vermintide ou... Voilà, ou même aussi l'après-midi et puis... on fout, il n'y a pas de problème. Pas de soucis. Excusez-moi pour la toux. Hein. J'essaye de tousser un peu dans mon... Voilà, mais... Oh ! Plume 65. Les mecs, ils commencent à avoir des objets magiques. Hein. Alors, comment on sort d'ici ? J'ai vu impossible, j'ai failli faire demi-tour. En mode, oh bah je suis baisé. Ah mon grand bouclier de foot qui est déjà rentabilisé. Oh lolo lolo. Des nécromanciens gobelins, quoi. Oh merde! Un crabe des vases m'attaque! Non! Hadouken! Hadouken! Faut que je travaille ma destruction. Je pense qu'on n'arrivera jamais à faire monter mon mana tout ça. Quoi. Je fais tellement de la merde. Merde. J'ai besoin de mon soin. Bah, y'a pas de sortie. Ok. Par contre, j'ai perdu Borus. Allez, dégage. Borus. Ça me fait marrer à quel point les mecs ils voltent. Oh non, oh, putain, c'est un moyen en plus. Si j'avais un crochet, je suis sûr que j'y arriverais.
Non. Bon. Attaque furtive. N'importe quoi. La porte du marais. Un crabe. Par où est-ce qu'on sort ici? La porte pour le tunnel sud-ouest. Oui. Cette porte est baissée à distance. Est-ce que ça serait ça? C'est vrai que je pourrais utiliser un peu plus ma destruction contrôlée. Mais de toute façon, on est bien d'accord que c'est pas parce que tu tues avec tel sort que ça te fait plus monter. Hein. C'est juste qu'il faut que tu utilises tout le temps ton sort, quoi. Mais le problème, c'est que monter ta destruction ne monte pas ta quantité de mana, quoi. Il faudrait que je fasse de l'alchimie. Ça, c'est relou, quoi. Et c'est là que je préfère Skyrim, qui te donne le choix selon ce que t'augmentes. Bon, en vrai, Oblivion, avec du recul, faut faire un mage lame. Comme ça, au moins, t'es tranquille, tu peux faire un peu tout. Parce qu'avec l'armure légère, tout ça, et la discrétion, tout ça, ça vient assez facilement. Tu as des talents pour te battre, et tu as des talents magiques, donc tu peux vraiment faire ce que tu veux, quoi. Alors que dans Skyrim, même mon guerrier, il pouvait devenir magicien, parce que j'avais du mana et des sorts, et à force de monter, voilà, quoi. Et même mon magicien, lorsqu'on l'a streamé, mon magicien, il a fait la guilde des guerriers, parce que en vrai, la guilde des guerriers, à partir du moment où tu sais te battre un minimum, donc même si t'es magicien et que t'envoies des tatanes au niveau des sorts, oh, ça passe. Je pense que mon jeu est buggé. Je pense que le jeu est buggé. Tu peux monter facilement avec des sorts comme lumière. Ah bon? Il faudrait que je le fasse alors. Je crois qu'invocation ça marche. Il me semble qu'invocation ça marche, mais c'est vrai que j'y pense pas. Je pense pas le faire. Donc clairement le jeu est buggé. Alors le problème c'est est-ce que je vais réussir à le. Est-ce que je vais réussir à kill l'app. Je vais pas réussir à tuer l'appli. Putain, ça fait plusieurs fois qu'il me bug dans les pattes, Oblivion. Le problème, c'est que là, vu que je peux pas tuer l'application, je vais faire une manœuvre, on va voir si ça fonctionne. Bon, j'ai récupéré la main mise sur ma souris, c'est déjà pas mal. Alors je vais faire fermer la fenêtre d'ici. Ça marchera pas. Je pense pas que ça marche. J'ai de nouveau perdu la mamie sur ma souris. Ah, relou. Hein. Alors je vais essayer un truc. On va peut-être couper le stream. Alors, ça a rien coupé du tout. Putain. Relou. J'ai même plus accès à ma barre de tâches, rien. Oh là là, c'est relou. Alors, ça risque de couper le stream.